Salut à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, à quoi on joue? On joue à Get Heaven sur PlayStation 4. I know. I just have to learn to accept it. Alors, ce qu'il faut savoir, ce Get Heaven, il devait sortir à la base fin mai 2017, mais il a été repoussé au tout dernier moment, la veille de sa sortie, à cause des attentats à Manchester. Car dans ce jeu, on y voit une jeune fille accrochée à une chaise avec des explosifs sur elle. Voilà, ça a été repoussé, mais certaines chansons ont pu quand même l'avoir avant. Parce que bon, Bandai Namco, on fait face à ce qui s'est passé à Manchester. Donc du coup, ils l'ont repoussé à l'arrache. Certains l'ont eu avant, d'autres l'ont eu que maintenant, comme moi. Mais en tout cas, je vais quand même vous en parler. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais me taire. Je vais juste vous parler en globalité de ce que je ressens du jeu. Mais vous allez voir une séance de gameplay sans blabla, que du séance de gameplay avec l'ambiance du jeu qui est vraiment folle. Que ce soit au niveau sonore, musical, tout est là, le jeu d'acteur, la mise en scène est vraiment pas mal du tout. Certes, ça pêche graphiquement, mais l'ambiance est vraiment là, on s'y croirait et on est vraiment immergé dedans, tout simplement. DNA found. Female, 18 to 22 years of age. Where'd they take her? That's it. Right in the face. Better keep quiet. Thank you.
Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out! Stay away from me. Stay away. Hey, shh. It's okay. I'm a friend. I'm here to help. Bon, ben là, quoi d'autre à dire que séance immersive assez grandiose. Je sais pas ce que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce jeu est une petite pépite, en tout cas dans son ambiance, il faut vraiment le faire. Graphiquement, c'est à la plaque. On peut dire ça par moment, c'est quand même à côté de la plaque. Mais le jeu mérite d'être fait car l'histoire est vraiment très bien fichue, très bien ficelée. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. Très bon doublage aussi. Bon, c'est doublage anglais, donc ça passe très bien. La mise en scène, tout ça est vraiment sympa, même si parfois c'est assez inégal. L'ADA est pas top, mais voilà. Faites-le pour l'immersion dans le jeu. Une intrigue assez spéciale, mais qui mérite d'être faite. En tout cas, un très bon jeu que je vous conseille. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau À quoi on joue. Ça arrive très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.